Hey. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la filmer. Donc du coup, je vais vous présenter mes unpopular opinions. Sans merde. Donc j'espère que ça va vous plaire et ne soyez pas trop méchants dans vos jugements parce que voilà, si vous connaissez pas le principe, c'est de donner son avis sur des avis qui se détachent de ce que la majorité des gens pensent. Donc voilà, je suis pas comme les autres et je pense que vous allez le comprendre pourquoi. Du coup, j'ai tout écrit sur ma petite feuille, donc je vais tout vous dire. Commençons par le commencement. L'ananas sur la pizza, c'est délicieux. C'est genre un incontournable. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui aiment pas ça. C'est super bon. Genre il y en a, ouais, le sucré salé c'est pas trop mon truc et tout. J'avoue, moi aussi au début c'était pas trop mon truc le sucré salé. Mais un jour je me suis dit, allez vas-y Mag, vas-y, goûte. Et au pire tu verras. Et bah franchement les gars, mais c'est une pépite. Mais vous imaginez même pas à quel point. Parce que vous, vous êtes là à critiquer, ouais, c'est complètement... vous parlez, vous, avec vos pizzas, genre raclette, savoyarde et tout, enfin, c'est bon, à un moment donné, excusez-nous si on aime l'exotisme, si on aime, genre, Hawaï. Aloha. Voilà, vous, vous êtes resté dans votre truc de Ardèche, Savoie, avec vos larzons, enfin, qui veut. Alors, ensuite, je suis désolée pour tous ceux qui adorent, mais je n'aime pas Burger King. Voilà, c'est dit. J'y suis déjà allée manger, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc ok, ils offrent des couronnes, mais ça n'équivaut pas à un McDonald's. Genre McDonald's, c'est la vie. L'incontournable des nuggets, s'il vous plaît, les nuggets. Non, en fait, c'est même pas à discuter. Genre McDo, c'est la base. Genre Burger King, il est là. McDo, il va à l'infini, c'est bon. C'est l'espace. Genre, je vois pas pourquoi vous allez chez Burger King. McDo, c'est la ville. Bon, alors là, je vois déjà les commentaires arriver en mode... j'aime pas le candy, pas la fraise. C'est la pire boisson lactée au monde. J'ai voulu en goûter une fois, mais c'est dégueulasse. Mais genre, mais c'est vraiment dégueulasse. Genre, je vois pas ceux qui boivent ça, mais vous avez chocolat, vous avez vanille. Je crois que maintenant, il y en a même des nouveaux à la pêche, je crois, j'ai vu l'autre fois. Mais genre, à la fraise, en fait, c'est trop dégueulasse. Mais je crois que c'est dû parce que quand j'étais plus petite, on m'avait fait prendre un médicament et il avait le goût de la fraise. Genre, un truc pas sucré, tout dégueulasse. Et donc, du coup, je pense que ça me reste, mais même en dehors de ce médicament, le candy up à la fraise, quand je le bois, ça me dégoûte. Donc, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas le candy up à la fraise. J'adore les candy up, mais à la fraise, c'est mort. Alors, là, c'est plutôt une actualité de foot. Il y a plein de filles qui sont là en mode « Ouais, Griezmann, trop mignon, trop beau, hein, gris-gris et tout. » Mais en fait, je le trouve pas beau. Je vois pas qu'est-ce qu'il a d'attirant. Il est petit, peut-être c'est ses yeux, j'en sais rien. Mais moi, pour moi, il est pas beau. Enfin, il y a rien d'exceptionnel en fait. Ils sont toutes là, les filles « Ah, Griezmann !» Mais moi, non. Je suis pas de cet avis. Alors là, c'est plutôt un engouement qui s'est fait et que je ne comprends pas. Donc, c'est l'artiste Angèle. J'ai rien contre cette artiste, hein. Elle fait des sons qui sont super bien. La preuve, j'en écoute deux, enfin dans mon téléphone, j'ai deux musiques d'elle. J'aime bien, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Il y a tout un engouement qui s'est fait autour d'elle, mais enfin... Voilà quoi, c'est pas... Enfin moi personnellement je vois pas pourquoi ça fait autant un truc de ouf et tout. Mais après c'est une bonne personne j'imagine et elle chante bien. Mais c'est pas... je suis pas passionnée par ce qu'elle fait quoi. Alors là ça va être plutôt une partie genre tout ce qui se passe à Noël. Donc les huîtres. Mais les huîtres, je sais même pas pourquoi ça existe parce que c'est répugnant. C'est moche, c'est même pas beau, c'est dégueulasse. J'en ai jamais mangé et j'en mangerai jamais de ma vie. Mais c'est... Qu'est-ce que vous avez plaisir à... Je vois les gens, ils sont là avec leur huître, là, ils mettent le petit citron, et puis c'est bien vivante, déjà, c'est dégueulasse. Et après, tu l'aspires, mais il n'y a même pas de... Qu'est-ce que tu peux avoir de bon, genre ça se mâche pas... Enfin, il y en a qui les mâchent, mais ça, c'est trop moche.
Et c'est dégueulasse. Genre à Noël, il y a souvent les gens qui achètent ça à Noël, les huîtres. Enfin je sais pas, il y a plein d'autres trucs qui sont beaucoup mieux. Genre les moules, le crabe, la langouste. Enfin après il y en a, ils achètent ça aussi, mais les huîtres ça sert à rien. Genre laissez-les dans la mer, elles sont très bien, elles servent à rien ici. Alors ensuite, toujours dans la catégorie Noël, quand il y a des marchés de Noël, j'adore les marchés de Noël, mais il y a deux trucs qui je trouve ne servent à rien. C'est le vin chaud. Alors je comprends pas le principe en fait. J'ai même pas à débattre sur ça, je comprends pas le principe. L'odeur, elle me donne des hauts de cœur. Et non, je comprends pas. Et la deuxième chose, c'est les marrons chauds. Les marrons chauds. Pourquoi tu veux faire griller les marrons chauds? C'est dégueulasse. C'est même pas bon, ça... Enfin... En plus, c'est hyper paradoxal parce que du coup, moi, j'adore la crème de marron, les yaourts au marron... je suis même fan des marrons glacés, mais les marrons chauds, c'est à bannir, c'est genre... Il y en a qui aiment ça, hein, mais quand je les vois là avec leurs petits sachets de cornets, je préfère largement acheter un cornet de churros ou des bonnes gaufres Nutella ou des crêpes, mais pas des marrons chauds, genre... Après voilà, il y en a qui aiment ça et je respecte, mais moi perso en tout cas je trouve que c'est... Voilà, il y a rien à dire. Alors, niveau mode, là il y en a qui vont dire mais tu sais même pas ce que tu dis, t'as pas de goût, tu connais rien et tout. C'est que mon avis, et moi pour moi, les Balenciaga qui sont, je vous mets une photo ici, forme de chaussures de plongée, honnêtement, c'est même pas esthétique, enfin, je vois pas le principe, je trouve que ça gâche toute l'image d'une sneakers, et j'adore les sneakers, j'en ai plein, mais celle-là, sans parler du prix, je trouve qu'elle sert, enfin, non, je sais même pas comment justifier, mais je les trouve, il y a tout un truc autour de cette paire de chaussures en mode waouh, mais je trouve que c'est plutôt une chaussure qui est devenue populaire et du coup tout le monde se dit ah ouais c'est à la mode donc il faut que je l'aie, sans vraiment réfléchir à ce que c'est. Moi perso j'aime pas trop la forme de la chaussure. C'est vachement épais, puis c'est vachement resserré, enfin du coup c'est comme une chaussette, mais moi je suis pas fan. Là, je sens les critiques qui vont arriver en mode mais qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi, et puis il y en a d'autres qui vont me soutenir. Vous êtes les vrais. Donc, Disneyland, c'est le meilleur parc attraction au monde. Et je vous vois venir là déjà à dire ouais, Astérix c'est trop la base et tout, mais en fait non mais... Va trouver un parc qui arrive à te projeter dans une féerie, dans de la magie, qui te transporte carrément dans un autre monde. Il n'y a que Disneyland qui savent faire ça. Eux, ils sont là, ils te présentent des trucs de ouf. Quand tu y vas, t'es dans un autre monde. Maintenant, si toi, t'es plus du genre à kiffer les sangliers de chez Astérix, bah vas-y. Du coup, c'est simple. C'est toit t'es team sanglier, Astérix, soit t'es team Mickey. Mickey, c'est la vie, c'est la base, genre Disneyland, mais Disneyland c'est au-dessus de tout, Disneyland. Bref, vous avez capté, Disneyland c'est la vie, retenez juste ça, et vous avez tout compris. Okay, donc là, c'est un truc que je n'aime pas du tout, et je comprends pas ceux qui achètent ça, mais genre vraiment, surtout pour des apéritifs ou même pour autres, les pistaches et les noix de cajou et les noix, enfin tous ces fruits secs là, mais c'est pas bon, c'est... j'aime pas du tout, j'aime pas ça, je trouve que ça a pas de goût, que c'est... Enfin, quitte à manger quelque chose de salé, achète des bonnes chips, en plus il y a plein de goûts différents. Mais franchement, tous ces fruits secs là, j'aime pas. Pourtant, j'aime bien les cacahuètes, à la limite, mais tout ce qui est amandes, noix de cajou, noix, pistaches et tout, c'est... je sais pas. Il y en a qui aiment bien, mais moi, bah... J'aime pas ça du tout, je déteste ça. La pistache, je crois que c'est la pire. Les pistaches et les amandes, avant quand j'étais petite, je crois que je mangeais des noix. Mais je crois que c'était pour faire comme mon père parce qu'il en mangeait. Mais maintenant, quand je vois ça, je me dis... Bah... Il y a mieux quoi. Donc voilà, je vous ai dit tous mes unpopular opinions. Il y en a certainement d'autres, mais je les ai pas tous écrits. Et puis je me suis dit que quelques-uns, ça suffirait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est une vidéo qui est populaire en ce moment sur YouTube. Mais j'avais envie de la faire et dire moi aussi quels sont mes avis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez les mêmes opinions que moi, et puis ça, comme ça on pourrait débattre tous ensemble, ça pourrait être plutôt
cool, ma foi. Sinon, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous surtout. Il fait froid, couvrez-vous bien. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vous embrasse, gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.